du jamais vu dans Pékin Express ce 12 avril. Alexandra et Laura ainsi qu'Alexandre et Shirin ont abandonné une épreuve et Stéphane Rothenberg a dû annoncer un changement de règles. Depuis le 16 février dernier, M6 dévoile chaque jeudi soir une nouvelle étape de Pékin Express, le choix secret. Aux portes de la finale, les binômes encore en course sont Alexandra et Laura, les sœurs Chien et Chat, Xavier le patron, et Céline, son employé, et enfin Alexandre et Shirin, les amoureux stratèges. Les candidats ont traversé la Bolivie, le Paraguay et terminent leur aventure au Brésil. Ils sont plus motivés que jamais pour décrocher leur place pour la grande finale, prévue sur M6 le jeudi 20 avril. Dès le début de la demi-finale, les concurrents ont dû une fois encore faire face à leur pire phobie. Après la tyrolienne en début de parcours, puis les sauts pendulaires, la production du jeu frappe encore plus fort en imposant au binôme un saut à l'élastique, à près de 50 mètres de hauteur. Alexandra, Laura et Alexandre, Shirin renoncent à une épreuve pour celles et ceux qui souffrent de la peur du vide, comme Alexandre et Alexandra, l'épreuve leur a paru insurmontable. Le jeune chanteur et chauffeur VTC ainsi que la dentiste de Neuilly-sur-Seine ont fini en larmes. Il faut dire que l'enjeu était terrible pour cette première course de la demi-finale, les perdants devraient tirer une enveloppe parmi les trois proposées ce soir, dont une qui est éliminatoire. Entre Alexandre et Shirin, la tension est vite montée, « Je veux que tu le fasses pour toi », explique la jeune comédienne vue dans Ici tout commence. « Je suis désolé, je ne peux pas le faire. Je prends l'enveloppe noire. Ça fait partie de mes limites. On ne va pas jouer notre vie ici », lance Alexandre. Si est-il par rapport au dépassement de soi, tente alors sa chérie. Moi j'ai un seuil, se justifie Alexandre. Mais ton seuil il est toujours plus bas que les autres, tacle Shirin. Tout le temps elle me fait les mêmes phases, s'énerve le jeune parisien. Arrête de gueuler, je ne suis pas ton chien, maintenant on la ferme, on attend, conclut Shirin, furieuse. Stéphane Rothenberg change les règles de Pékin Express, si est deux enveloppes noires, tout de suite Alexandra, en larmes, n'a pu s'empêcher de penser au pire, on part à cause de moi. Je suis désolé, tu aurais dû partir avec quelqu'un d'autre. Je n'aurais pas voulu le faire avec quelqu'un d'autre que toi, si on part si est-il le destin, rassure Laura. Si on est éliminé à cause de moi, je vais même vouloir, ajoute sa sœur. En fin de première épreuve, Xavier et Céline qui ont sauté tous les deux, sont évidemment arrivés premiers, et les deux autres binômes derniers ex aequo. Ce qui a poussé Stéphane Rothenberg à changer les règles du jeu. Si est un cas unique dans l'histoire, forcément si est singulier mais deux dernières places ex aequo, si est deux enveloppes noires, tout de suite. On va donc tirer à tour de rôle une enveloppe noire, l'une d'elles est éliminatoire, a annoncé l'animateur, avant que les deux binômes ne tirent chacun une enveloppe. Autre modification pour le reste de la demi-finale, pour la deuxième course de l'étape, il n'y aura donc pas d'enveloppe noire pour le dernier binôme arrivé, et la dernière enveloppe sera pour les derniers arrivés de la troisième et dernière course. Une demi-finale déjà pleine de rebondissements. À lire aussi Pékin Express, Céline charmée par un jeune Brésilien lors de la demi-finale, la partenaire de Xavier réagit aux propos de Stéphane Rothenberg.